Salut à tous, je vais vous montrer Fight Night Champion sur Xbox 360. Alors c'est un jeu de boxe, tout, un mode carrière, tout. Là j'ai fait le mode histoire, je vais vous montrer un peu. Alors c'est là je suis sur la Xbox Series X pour faire le test, pour vous dire que le jeu est vraiment sympa, tout. C'est dommage qu'on voit plus de jeux de boxe comme ça sur les consoles maintenant, génération, parce que maintenant c'est beaucoup de jeux à la UFC. La même chose. Et le plus longtemps possible. Je vais vous montrer vite fait pour montrer, voilà, je suis sur la Xbox Series X. Voilà, vous pouvez jouer, le jeu est gratuit. Hop, ça va être passé à côté. Si vous aimez le jeu de boxe, c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup en ce moment. Celui-là je me rappelle pas que je l'avais fait, il était sorti sur 360. J'en avais fait d'autres, The Night, mais celui-là ça me dit rien et tout, avec mode carrière en plus. Il y a un mode histoire, en fin de compte vous sortez de prison, là vous êtes un ancien boxeur, en fin de compte il va falloir. Ah oui, monter niveau petit à petit. Comme ça, ça annonce forcément du bon. Alors vous avez endurance sur le côté. Voilà. Ah, ça doit être frustrant niveau pour son adversaire. Il prépare quelque chose. Pas mal, hein. Oui, les deux. Je me rappelle plus que c'était comme ça. Graphiquement, il est chouette. Jouabilité, il est cool aussi. Voir autre chose que des accrochages. Vous avez le mode histoire ou le mode championnat. Enfin, vous pouvez choisir. Moi, j'ai mis le mode histoire là. Avec son jab. Pour on bien amené. Pour avancer, il faut. Je me rappelle pas qu'il y avait un mode histoire. C'est qu'on pouvait créer son propre boxeur pour faire le championnat de l'histoire, je me rappelle pas du tout. Bien ça, il remise intelligemment. Putain, la jouabilité vraiment sympa. On sent bien les coups, tout. Après il faut connaître bien les coups, les uppercuts, tout. Les enchaînements, coup droit, coup crochet, jump. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Bien défendu. Par contre, je vois pas ça. Ça boum, avec les pas au mieux, touché. Fois, le chaos est proche. Ouh, ça sent le chaos là en face. Magnifique. Putain, tiens. Bien vu. Ok. Ouah, c'est interdit ça. C'est bien là. Bishop a sans aucun doute remporté ce round, Jean-Claude. Du moins, c'est ce que doit penser son coin. Oh, vu le rythme qu'il a imposé. On va mettre des petits jambes pour le on va bien toucher là. S'il sera capable de le maintenir pendant la prochaine reprise. Direct du gauche, bien vissé. Oula. Il a touché deux fois. Je suis jamais plein la gueule. Quelle défense encore. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Oula, faut que je me méfie parce que c'est lui qui va mettre un crochet, c'est bon. Il trouve assez facilement l'ouverture mais sans vraiment appuyer ses coups. Ça manque de conviction tout ça. C'est sympa graphiquement, il était pas mal pour une 360. Et on attend encore qu'il passe par les. On aurait pu faire des jeux de boxe maintenant. Je sais qu'il y a un nouveau jeu de boxe qui devrait pas tarder à arriver sur la Xbox Series X, sur la PS5. Mais ça sera pas fait par la même boîte. Ou bien. Ah, Bishop a l'air un peu fatigué. On ne sait pas combien de temps il va pouvoir encore tenir. Remettre, il doit être retenu dans le vide. Il faut qu'il attend l'ouverture avant de lâcher. C'est normal qu'il soit épuisé. Et un, et deux, c'est bon. Il va mettre un putain de crochet. Il peut porter et peut travailler sereinement maintenant. Je vais le travailler au corps. Petit coup de jump. Travailler sa gauche et sa droite. Ce qui est bien, c'est qu'on ressent bien avec les gants. Avec les petites vibrations qu'il y a. Ah, la manette ça donne super bien. Direct du droit qu'on attendait. Putain. C'est un coup ça moi qui tombe. Il encaisse, mais sa droite touche aussi. Oh, putain. Oui, il enchaîne bien. Il va mettre un putain de crochet. Il encaisse, mais il touche la Rocky Balboa. La droite qui touche en haut. Dernière seconde de cette reprise, jab et direct bien enchaîné. Putain, j'arrive pas le. Il est déchaîné, trois coups à la tête. J'en ai mis trois dans la tête là. Voilà pour le deuxième round. Bon, si on fait pas de bêtises, on devrait le foutre KO les gars. Bishop est plutôt à l'aise face au champion invaincu depuis 9 ans. Ouh, il en a pris une belle largement devant. Moi aussi j'en ai pris une belle. Bon rythme et marque beaucoup de points face au vétéran Joël Savone. Ah, je suis déconnecté avec Xbox Live. Ah bon. Les coups qui pleuvent, au moins 4. La gauche, belle riposte. Une droite puissante au visage.
Alors, je suis en plein dedans, les gars. Ça est vraiment pas mal l'action, tout. Les enchaînements, tout. Oui, ça part vite, tout ça. Ah, c'est pas... Il est pas tombé, l'autre, en face. Que de puissance de Bishop, c'est superbe ça. Oh, oui. Putain, je sais pas comment on fait ce pour ranger. Allez, on fait trois fois plus mal. Il lève bien les mains pour éviter les coups. Putain, essaye de le faire bouger, mais. Passe une droite. Droite qui touche en haut. Ah putain. Il se défend bien. Ou encore bloqué. Bien joué, l'enchaînement, une belle droite. Oh putain, il vient de venir. Il n'a rien eu, bon. Ouh, le KO. Ah, ça c'est bien fait par contre, le visage là. Oh, l'autre il est raide. Il a rien vu l'enchaînement là. Peut-être se relever. Non, bah, c'est réussi à se relever avec ça, quand même. Il a réussi à revenir. Ah ouais, il a réussi à le knockdown. Et maintenant, que doit-il faire? Bah, il doit résister aux assauts de son adversaire. Ce qui est bien par contre, c'est que les commentaires, j'avais pas fait attention, c'est ses anciens commentaires et anciens boxeurs. Ce sont ceux qui connaissent sur canal. Comment ils s'appelaient, les commentateurs là, c'est les vrais. Ça, ça sert à rien, c'est pas. Oh, il remise avec cette gauche. Oh putain. C'était la bonne époque, vous montrer des matchs de boxe sur canal. Ça se fait toujours, mais c'est vrai que la boxe maintenant c'est un petit peu perdu. Oh, la droite de Bishop, ça fait mal. Mmh. On veut le croire, dans son coin, Bishop se sent vainqueur du dernier round. Tout à fait, il a su trouver des bons enchaînements. On va l'éclater, Bishop. Et on va voir si... Surtout que c'est moi, Bishop. Le jeune André Bishop est devant au point et contrôle parfaitement ce combat. Il est en position idéale bizarre, pour la médaille. C'est bizarre, aux Jeux Olympiques, là. Il multiplie les coups, c'est fort. Putain, j'ai essayé de l'enchaîner. Non, mais... ça n'arrive pas. Dans le vide. Boum, le gros uppercut. Il est sonné et ça sent le chaos. Ça sent le chaos là. Oui, Bishop, il touche. J'en ai mis deux là. Magnifique au visage. Boum. Oh, on a entendu craquer le casque. Il est éclaté. On va pas se relever quand même. André Bishop est le nouveau champion et n'a fait que ah, réussi les gars. Tout le bien que l'on pensait de lui en mettant KO un Joël Savone, un vaincu. On est champion, yes. Là, il est pas mal. Bon petit jeu de boxe. Ah, sympa. Ah. Yes, baby. C'est un bon boxeur, ça, les gars. C'est aussi le boxeur ce jour. Hey, pas mal le petit mot d'histoire. Hop, ça, c'est un agent virus, hein, dans la vie. Promotion à venir annoncer, venant rajouter, effectif du boxeur de talent. Isaac, il s'appelle un drôle de nom, lui. Déçu. I'm the heavyweight gold medalist. No one went the distance with me. Nobody here could ever go the distance with me. I am the best fighter at these games. Ah, il va y avoir une rivalité entre les deux, non? André Bishop is c'est Rocky Balboa, le truc. Un poids moyen, doué, mais... Ah ouais, parce que moi je suis dans les poids moyens, mais okay. Ah ok, bon, chez les ponts. Ah, c'est pas mal, c'est plus une carrière, franchement. Enfin, moi, je... Ouais, ça me dit rien du tout, moi, ce mode carrière. Allez, on s'entraîne. T'es... Là tu es KO direct. Qu'est-ce qu'il a pris? Bonjour. You okay? Ok ouais, il est KO l'autre. Beautiful kid. You got your father's power. Tiens, on dirait Mickey en Rocky. His father hit like a heavyweight too. Gus. Despite our differences, I've always said you're one of the best trainers in the business. I don't care what you say about me, McQueen. Always nice to see you, Megan. Always nice to see you too, Gus. I'm bringing my daughter. Je ramasse ma fille dans le métier, ok. You know how good she is with fighters.
I want her to manage Andre. You're a great trainer. Ok, l'autre il arrive, il veut que ce soit le manager, tranquille. What you do best. And let Megan and I concentrate on Andre's career. Thanks, but I think I can handle it. Tu me débrouilles. Isaac Frost will be fighting for a title within 2 years. I can do that for you too. Thanks, but I can handle it. Did this old man ever get your father a title shot? He was on his way! The only way to the title is through me! Not if nobody can beat me. Oh, you think so? Ça, ça les magouilleux. You don't know who you're fucking with. Dad! You've been listening c'est to this ça aussi que tu es old man! Dad! La boxe aussi, c'est vrai qu'avec tous ces magouilles qu'ils avaient à la boxe, c'est un truc de dingue quand même. I apologize. Now, you have no reason to apologize. But your father, on the other hand, he chews fighters up and he spits them out. Gus, if we just... Megan, you're a good egg. But no way are we getting in bed with D.L. McQueen. McQueen. Tiens, ouais, c'est vrai que je suis assez étonné graphiquement. Lucius Palmer vraiment pas mal. Likes to run, but he'll get aggressive at the end of each round. He's good at stealing fights. Good luck, Andre. Ouais, ça veut tout dire, ça... Son agent, je pense, hein. Et autre chose aussi. Allez. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un combat à faire. Continuer. Allez, un combat un peu spécial ce soir. Allez, c'est parti. Première sortie d'André Bishop chez les pros. André Bishop. Il va affronter le redoutable Lucius Palmer, dont on ne compte plus les minutes passées sur le ring. Surtout, on n'oublie pas, quand je dis quelque chose, on obéit tout de suite. Ce qui est bien, c'est là. C'est tout en français. C'est dommage qu'il parle pas français dans les intros, tout. Début du premier round et premier pas chez les pros pour André Bishop André face Bishop. Aux années d'expérience de Lucius Palmer. Je vais mettre KO direct. Si Bishop va pouvoir confirmer son bon CV amateur chez les pros. Mais il a un bon CV les gars. Oui, il va marquer lui aussi avec cette gauche. Encore un coup au visage paré. Je vais me planquer. Ouais. Ce soir, on a droit à un duel qui s'annonce palpitant la fatigue, entre l'endurance. Deux boxeurs très rapides. Qu'est-ce qui peut les départager? Ah, ah, il ouvre sa garde à gauche déjà. Ça c'est bon ça. Il saura trouver la bonne distance, qui sera utilisée au mieux. Pas trop le fatiguer parce que je sais pas si la jauge après c'est la même. Bon, je l'ai bien touché là. Le combat risque d'être plus tactique que spectaculaire. Faut que j'arrête de mettre des coups de poing dans le vide là. Il se fait toucher, mais il touche à son tour. Droite, bien senti. Hop, ici mon petit. Oh, c'est bloqué. Allez, oh, c'est bloqué, bien sûr que c'est bloqué. Exactement à la moitié du round. Et il c'est interdit ça. Oh. L'arbitre. Quand il veut l'arbitre. Hein. Sa blessure oh, putain, à la pommette. Il peut imaginer sa vision, mais il ne faudrait pas que ça empire. Ouais, il m'a touché là. Sa garde reste hermétique. J'ai mis une petite avant de partir. Allez, putain, elle est hors là, elle a mis en même temps. Boum, c'est parti. Ah, dommage qu'il a pas ouvert là. 1-2, c'est ce que je suis en train de faire. Droite plongeante, ah bien putain, ajusté. J'appuie sur le. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, mais j'appuie sur le bouton sans faire exprès. Parce que le problème, c'est avec les deux sticks, alors des fois, on a tendance à toucher le bouton. Ah putain, ça m'a enlevé du. Ah, putain, là j'ai bien enchaîné. Ça a failli partir là. Regardez, il est au bord du chaos. Ouais. Ouh, j'ai trouvé là. Je voulais faire à droite et en fin de compte il a ouvert à gauche. Donc on voit bien la blessure là. Le pauvre, il a le nez éclaté à tout là. Allez, 1, 2, on va se relever. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. La droite de puncher. Ce qu'il a pris là. Oh les enchaînements qu'il a pris. Boum. Oh la vache, tu prends ça en vrai, c'est bon. Il se relève quand même. Voici un premier combat intéressant pour André. Je crois qu'il est KO. Ah non, c'est pas relevé. Palmer n'est pas forcément le genre de boxeur auquel les connaisseurs s'attendent lors de leur première. Allez, bon, c'est ça. Ah, c'est pas mal, il montre les petits. Les vraies images, tout.
Analyste d'eau, c'est bon, ça. Bien, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est mon entraînement. Ah ouais, il faut faire tout en même temps. Oh, putain. Je sais même pas si j'en ai réussi un, là. Ah, celui-là, il est bon. Non, c'est pas bon. Ah, celui-là, il est bon. Ok, celui-là. Mince, il y a longtemps. Oh putain. Ah, ça c'est pas mal pour l'entraînement. Voilà. Ah, je l'ai fait pourtant. Mince. Non, j'appuie trop vite. C'est pas évident. Ah bah là, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Bah. Hop, beau travail, réussi. Continuez. Hop, alors c'est pas évident. Alors système. Now the fight is set to begin. There's Andre Bishop in the locker room, Teddy, with his longtime trainer, Gus Carisi. And of course, Gus was one who very early on tapped Andre Bishop as a fighter to watch. He said he was full of potential. Yes, he was a tremendous amateur. He won the World Championship Tournament. From the State Palace Theater here in New Orleans, we welcome you to our middleweight main event. A much anticipated bout between Andre Bishop and Mike Walker. Alors. C'est et voilà, parti. Place au combat principal de ce soir avec André Bishop qui vient de battre le Chose. Par contre, il a l'air bien costaud. Combat pro face à Mike Walker. J'ai bien touché le par contre. Il voudra certainement réussir la passe de deux. Le laisser venir. L'enchaînement de Bishop, boum, c'est parti. Coup au visage, contre, bien parti, mais bien bloqué. Si on travaille au corps quand il est prêt. Combat intéressant ce soir entre deux hommes qui se ressemblent un peu, du moins au niveau de la vitesse. Ouais, de la vitesse jusqu'à le poids, à mon avis, c'est pas le même. Oui. Je sais pas ce qu'il a mangé lui, mais il a l'air bien en forme. On s'attend à avoir des enchaînements rapides, des fins. Et un beau jeu de jambes des deux côtés. Bref. Il en voit lui par contre. Ce que la boxe pas le boxeur de tout à l'heure ça. Effectivement, vu comme ça. Il en a pris une belle. Ici mon petit. Oui, il bloque, il compte. Bonne droite, ah. Il marque et qui fait mal. Cassé sa garde. On dirait bien qu'il a retrouvé ses esprits là, il a trouvé la solution. Ouh. C'est quand même étonnant bien là, gêné, hein. Là il est en train de faire exactement ce qu'il aurait. Oh, il est magnifique celui-là, ça fait quoi bien. Ah ouais, on voit le plusieurs angles. Parce qu'il y va à l'instinct, sans se poser de questions, il est trop fatigué pour réfléchir. Alors, c'est son corps. Ça fait bien quand même du bon petit jeu de boxe, ça fait longtemps que j'avais pas vu. Il commande d'éviter les coups, c'est ça. Ouais, parce que les coups, c'est pas une nourriture. Parce que maintenant on a tellement l'habitude de jouer au jeu UFC là. Ils sont bien aussi, c'est rien à dire, mais jeu de boxe, ça serait bien qu'ils en refassent quand même. Parce que celui-là, il date d'un boy quand même. Belle fluidité sur ces deux coups. Oh putain, alors là, j'ai bien touché. Du coup, j'ai eu peur au début, je croyais que c'était moi. Ouh, l'œil. Ouh, il en a pris une belle là. Double ton jab, un deux, un deux. Ton jab, ouais, je crois qu'il est KO là. Il va se relever. Non. Il a réussi à mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude. Il va falloir tenir maintenant, il va devoir utiliser toute la surface du ring. Et se mettre oh, il essaie m'attaquer là. Alors continue à faire du sac. La droite là, attends, sur la remise. Là, remettre. Le coup là, la gauche qui part. Ah, faut pas que je tombe dans le piège là, parce que faut pas que Jean-Claude, on peut dire que tout le monde j'ai bien touché. On va avec impatience. C'est sûr, on va vraiment se faire plaisir ce soir. Enfin, on allez, l'espère. C'est parti. Vas-y mon pépère. Tu t'as mis plein la tête. Oh, il en a une, trois d'affilée. C'est pas mal ça, il touche. Mais ouais, on sent pas mal de puissance dans ses frappes. Il n'appuie pas réellement ses coups. Ouais, c'est vrai bien, pour là. L'instant, on n'a pas encore vu l'étendue de sa puissance. Espérons pour lui qu'il va bientôt faire parler à poudre. Oh, putain. Car il a dans son arsenal... Ouais, faut que je me méfie à cela. ...d'une puissance phénoménale. Là, il m'attaque. Oh, il m'a mis une belle. Il touche après le direct du droit. Ah, putain. Il est touché et il réplique avec la droite. Quand on se rentre dedans, c'est vraiment beau. Mettre un coup de boule. Ce qui est le dernier.
Ouh, là, celui-là, il a pas vu, hein. Gauche, droite. Oh, le nez. Oh, il a un peu de belle. Il a mis un, une autre aussi. Ah, il se relève encore. Non. Non, là, il se relève pas, là. Il est KO, là. Et voilà, on a gagné, les gars. Voilà, c'était pour vous montrer un bon petit jeu de boxe. Hop, on va finir sur ça, les gars. Petite victoire. Voilà, c'était pour le montrer, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à me laisser un petit like. Sur ce coup, je vous dis à plus. Ciao.